There is no greater sign and more profound sign than the sign of the cross. Somehow we do it often as we sign ourselves when we pray. Somehow we see we have maybe a cross at home, and we go in the church in a cathedral and we see a cross. Somehow we lose, maybe it becomes part of our what we see, and we lose touch of the meaning of the cross. We have to renew our consciousness of the meaning of the cross. La croix, de façon paradoxale sur le plan humain, avant que Jésus-Christ soit crucifié, c'est un signe de cruauté, c'est un signe de torture, c'est un signe de mort. Mais la puissance de l'amour de Jésus-Christ est telle qu'il a transformé la croix en signe d'amour, en signe de don de sa vie. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême de l'amour, jusqu'à l'amour sur la croix. Sur la croix, son cœur pur, qui a dit oui à aimer jusqu'à l'extrême de l'amour, a été transpercé. On the cross, the love of Jesus becomes the revelation of God for us, for each one of us. But at the same time, it becomes a call to follow in his footsteps, to learn to love like him. Every one of us, we have a capacity to love, and it's not easy to love, but we have the capacity to love, the potential to love. But with our own strength, it's impossible to love as much as we're called to. Le pouvoir de Jésus-Christ qui a aimé jusqu'à donner sa vie sur la croix et qui a transformé la croix dans le langage suprême de l'amour, a le pouvoir d'actualiser notre propre potentiel pour aimer, a le pouvoir de nous transformer, a le pouvoir de nous rendre capables d'aimer. To receive Jesus Christ in our heart is to be purified by Christ and to be made able to love like Christ, through Christ, in the Holy Spirit. Dans un premier temps, j'ai donné les croix à des personnes de vie consacrées dans des communautés religieuses, dans des instituts séculiers ou qui sont en marche vers l'ordination sacerdotale. C'est pour dire que lorsque des hommes et des femmes donnent leur vie à Jésus-Christ de façon exclusive, dans le sacerdoce, dans la vie religieuse, dans la vie consacrée, c'est pour conduire le monde à connaître l'amour de Dieu et à vouloir répondre à cet amour de Dieu par le don de sa vie. Pour ainsi dire, la vie consacrée, c'est de consacrer sa vie à Dieu pour conduire le monde à la consécration à Dieu. So first, the consecrated life, they received the cross, and then they went to give the cross in the assembly, because through their witness, through the witness of their own giving of their life to Christ, we're called to listen to the Word of God, who calls us to follow Him till the cross. Nous sommes tous des baptisés, et peut-être qu'il y en a ici qui sont en cheminement vers le baptême, mais à l'intérieur de la vocation au baptême, il y en a qui sont appelés à se donner de façon exclusive pour le Christ, et nous sommes pendant l'année de la vie consacrée. Lorsque quelqu'un donne sa vie de façon exclusive au Christ, c'est un appel personnel, mais c'est un appel non seulement pour l'Église tout entière, mais c'est un appel pour l'humanité tout entière. Lorsqu'on donne sa vie au Christ, on devient un instrument du Seigneur pour l'Église et pour le monde. Et dans l'Église, nous pouvons recevoir le témoignage de cette vie consacrée pour nous-mêmes, nous donner davantage au Christ.
croire davantage à son amour et répondre davantage, nous donner davantage, devenir davantage des instruments de son royaume dans le monde. May the sign of the cross be something that is present in your home, but also in your heart. There's no greater purity of heart than to receive the cross of Christ in our heart, and to receive the heart of Christ in our heart, so that he will purify us, and through his heart, we learn to love like him. La croix, c'est pas seulement pour rester à l'extérieur de nous, comme signe que l'on porte sur nos vêtements, ou dans nos maisons, ou dans nos églises. C'est un signe qui est fait pour être reçu au plus profond de notre cœur. Le cœur pur, le sommet de la pureté du cœur, c'est le cœur qui reçoit la croix, qui dit oui à recevoir la croix, c'est-à-dire qui dit oui à recevoir l'amour du Christ, qui aime jusqu'à l'extrême de l'amour. May our hearts be purified by Christ, be transformed through Christ, and be united with Christ on the cross to love like him.